Et le clap. Et le clap. Oh, il doit être giga fort dans le micro. Bonjour. Bonjour YouTube. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Big Corp Wrestling. Alors comme d'habitude, ça va être très aléatoire parce qu'on ne sait pas du tout avec le show de qui ça va commencer. Hein. C'est ça. Parce que ça change tout le temps. Oui. Donc aujourd'hui... aujourd'hui, nous, en tout cas, on va tourner deux épisodes, hein, normalement. Parce qu'on n'a pas, de pay-per-view. Ton pay-per-view, tu l'as fait la semaine dernière. Oui. Moi, le mien, il était la semaine avant, donc il est dans un petit moment quand même. Mmh. Donc aujourd'hui, petite journée, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, petite journée pépouze. Voilà. Voilà. Du coup, tu peux avancer si tu veux. On va regarder un petit peu. Voilà, et faites ce que dit... Attendez, hop. Faites ce que dit Eristero, là, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la Corp, bien entendu. Merci, Eric, voilà. Et coucou à toi. J'ai oublié de l'activer, je suis un débile. De quoi? Il active un prout. Ah. Ah, comme d'habitude, quoi, t'oublies toujours... t'oublies toujours, ouais. Ça te fait rire. Bah c'est pas la première fois que t'oublies, donc... Mais je sais que c'est pas la première fois. J'oublie plein de choses quand je lance mes streams, c'est pas nouveau. Oui. Je te le fais, Eric, je te le fais, hein, t'inquiète pas. Streamer professionnel. Ta gueule. Streamer préparé. Voilà, tu as eu ton prout. Qu'est-ce que... T'as un follow? Non, c'est... Mais papy! Mais... Un filtre pop? Putain! Papy, va falloir que t'arrêtes de m'acheter tout mon setup pièce par pièce comme ça, hein. C'est gentil, mais... En plus, c'est que t'aurais pu donner 10 euros... Merde, j'ai mis un coup dans mon micro. T'aurais pu donner que 10 euros parce que Eri m'avait donné 5 euros il y a quelques jours. Hein. Qui n'ont pas quitté PayPal, d'ailleurs, hein, pour le moment. du coup, tu peux supprimer mes messages, hein, ça, ouais. J'étais au courant. Merci beaucoup, papy. Hein. Enfin, merci beaucoup, DarkNado377. T'as entendu. M'en fous. M'en fous pas lu. Merci beaucoup. Non, parce qu'avant, faut savoir qu'il m'a montré un filtre pop. Mm-hmm. Tu sais, genre une mousse à mettre sur un burn, justement, pour couvrir justement tous les bruits que t'entends autour, là, actuellement. Parce que faut savoir que, vu qu'on passe par vidéo, Titi entend tout ce qui se passe dans ma maison actuellement. C'est-à-dire qu'il entend télé, il entend quand je mets un coup dans le micro, il entend tout. C'est ça. Enfin, après, il m'entend bien quand même. Hein. La prochaine fois, je couperai la télé s'il faut pour TW. Mais vu que tu viens de m'offrir un don, il y aura peut-être pas besoin, parce que je pourrais prendre un filtre anti-pop. Merci beaucoup. Merci de penser aux oreilles de Titi quand on joue ensemble, c'est gentil. Oui. Voilà, c'est bon, contrat prolongé pour Bobby Fish. Très bien. On va pouvoir aller de l'avant. C'est ça. Voilà. Ricardo Fuentes Romero. Venu sous le nom de Ricky Marvin. Le chat. Ah oui, le chat. J'oublie toujours les trucs importants. Évidemment. Heureusement que je suis là. Heureusement qu'il y a un vrai streamer dans cette équipe. Bon, j'ai une personnalité douteuse. Oui, mais avant d'être une personnalité douteuse, c'est un poisson. Bah, en fait, c'est que si je commence à pas prolonger les personnalités douteuses, j'ai plus personne dans le roster, donc à un moment donné... oui. Moi, je me sens aussi concerné par cette phrase. Oui, c'était pas à dire bonjour à YouTube, hein, vu qu'il l'a fait. Papy, tu peux le faire aussi. Hein. Puis ça va. Pas à dire bonjour à ta chaîne. Bobby Fish, c'est pas le pire. Oui. Il y en a d'autres où je vais plus hésiter. Et le Riley. Kairi Ojo. Alors, faut lire ton chat. Ah oui, t'as dit coucou YouTube plus haut, j'ai rien dit. En effet. Tu l'as dit avant Eri en plus. Oui. Non, mais Eri est arrivé, ça m'a perturbé, tu vois. J'ai. Quand Eri arrive, il m'éblouit avec son diamant. Ça va, Rihanna? Daemon in the sky. Putain. Ah. Allez. Ah, papy va être heureux. Papy, bonne nouvelle. Enfin, pas vraiment, parce qu'Eddie Guerrero est un vrai connard, je crois, dans la partie. Et il a commencé à former des clics dans son truc, et en plus, il en embrouille avec Edge, donc bon, il est heureux, mais... Un demi-diamant, du coup. Non. Ça, il l'a entier. Ah oui, c'est vrai que... Oui, il est bully. C'est une mauvaise personnalité dans la partie. Yes. Alors, attends, qu'est-ce qui se passe d'autre? Parce que je surveille des fins de contrat, donc je regardais un peu les news, là. Non, ferme pas le jeu.
Non mais avance, avance, t'inquiète, de toute façon je vais les voir après les news. Alpha de la ROH, ouais. Il passe pas grand chose. Ah, Oui, il y a mais Heather voilà. Monroe qui a quitté la fête d'Hollywood. Ah. Ça faudra que tu vois, parce que faut qu'on voit avec Papy, parce que je sais qu'Ina fait une offre. Oui, bah c'est Bah ça. vérifie déjà ce que TJP, c'est peut-être pas une offre écrite. Ah non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, c'est bon, c'est pas considéré. C'est Rip pas les oreilles de sérieusement Titi. considéré. Merci Eris Tegrou, il a écrit son pseudo pour les oreilles de Titi qui donne 5 euros. Il m'a envoyé Rip les oreilles de Titi en pensant que tu entendrais l'alerte, mais elle est dans mon casque donc techniquement tu l'entends pas. Oui. Bah nickel, ouais voilà, c'est ça. Bon, y a rien chez toi. Oui. Et y a Y'a rien rien chez chez moi. toi, bon bah. On s'emmerde. C'est ça. Attends, je voulais voir d'ailleurs. Oui. C'est pas par là qu'il faut que je passe. Ça va, il est agitateur. Ça va. C'est comme Seth Rollins. Ah. Il fout la merde toutes les semaines. Moi, je peux pas m'en Ouais, séparer. mais. Bobby Fish, ça va, il s'est un peu calmé, il a foutu la merde au début, maintenant il s'est un peu calmé. Tout à fait. Et c'est à moi de Oui, c'est commencer à cette toi. Donc, cet épisode verra le show de Titi. critique. Voilà. Bon, comme Parce d'habitude, qu'une de toute semaine. façon, ça sera. Ça Oh là là. Comme d'habitude, de toute façon, ça sera dans l'autre sens. Parce que, en commence. général, vu que je fais avec les chiffres, tu sais, sur les miniatures, toi, t'es chiffre 4 et moi, je suis 3. Donc. Tant pis, ce sera pas tout à fait dans l'ordre, mais bon, les gens comprendront. Hein. Excusez-nous. Hein. Oui. Bon, bah ça commence. Allez, vas-y, sors l'épée. Alors, qu'est-ce Oh, il qu'il arrive en retard. arrivé? Bon, c'est pas grave. Ça, ouais. Un Oh. petit slap on wrist ou no action, et puis ça passe, quoi. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Il a eu beaucoup de hits à cause de son attitude récente. Et ça pourrait te retourner dans une très mauvaise situation si c'est pas géré rapidement. Oh, small positive impact. Il est content, t'as Oh, fait quoi? il est content, je lui ai mis une amende. Ah bah yes! Ah Oh, Kairi! oh, bah tiens, ça faisait longtemps. Toutes les semaines à te faire chier. Hein. Ouais, la provoquer Artemis, ça se rentre dans un gros sorte de d'argument quoi. Aïe! Et en plus, elle est pas contente à ce que tu fais. Tu l'as mis une amende? Oh, la Smearing Tension! Ah, Aïe bah aïe ça va aïe! dégager. Yoshirai. Ah bah par contre Artemis elle est contente. Bah évidemment! Bah tu t'en fous, de toute façon, tu veux qu'Artemis soit heureuse. Ah bah tiens. Ah bah On Bobby, en on vient de te parlait. re-signer! On est très heureux de t'avoir si de re-signer, Ah. hein. Et ça va être du positif normalement ou Oui. rien. Du Voilà. positif. Par contre, va Hop. voir ton backstage maintenant parce que j'ai quelques doutes en fait. Mon backstage de toute manière, j'en ai plus rien à foutre, je peux m'en dire. Que tout le monde parte, je m'en branle. Non, ça va 53, t'as pas trop baissé. Oui, non, ça Tu va. restes dans tes 50. Ça va. En vrai, techniquement, si tu laisses partir Ojo au bout d'un moment. Déjà, je pense que tu laisses partir Ojo, tu rentres à 70. Hein, c'est. C'est Mais vraiment, hein. Elle fout tellement la clair. merde, ça te fait vraiment 70% au moins de tes backstage incidents. Hein. Alors tu Ah. attends. 3800 fans. 3 000. Oui. Ah, et on voit du coup aux arènes que t'as cherché dernièrement que tu avais un pay-per-view. Oui, Petit, trop petit, trop petit. En étude, on va aller à la patinoire Pôle Sud. Hein. Ah non, même pas trop petit. Non, trop petit. Ah, il va falloir que tu ailles chercher dans les 4000 du coup. Entre 8000 et 5000. Hein. Et tu prennes un 4000 quoi. Oui. S'il y en a un, oui. 4128, un peu grand. Ah. Bah, c'est la plus Et petite. ben. Oh, tu vas aller à Dijon, la moutarde. Ok, let's go. À On Dijon part à pour un. Dijon. À Dijon pour un show épicé, bien entendu. Oui. Pour un show qui pique. Le relou qui fait 50 fois sa blague cliché. Pour un jeu typique. C'est drôle. Ah ouais, on rigole bien. Donc attends, je veux juste voir un truc. En Ah vrai, non, c'est la en vrai, plus. le titre de la VOD, du coup, tu l'as, hein. Un show piquant. Allez, vas-y, explique ton booking. Prochain pay-per-view, c'est Broken City. Donc c'est pas encore le plus important, mais c'est le prochain. Enfin, c'est celui Parfait. d'après qui sera le season final. Ok. EWF, ville cassée.
Oui. On va commencer avec, bien sûr, la célébration du nouveau champion du monde qui a... C'est pas un match, c'est un angle, du coup. À Là. se calmer. Voilà. Le seul champion qui a réussi à détrôner l'ancien champion en titre, CM Punk. Kevin Owens, le seul à avoir gagné donc son match pour le titre en tant que challenger lors du dernier event. Hop. Ah, plutôt Kevin. Oh, ouais. En fait, c'est ça le truc de C'est Raquel ça. Rodriguez, hein. Raquel Rodriguez, Mais Kevin Owens, ils ont un problème, hein. Aimé? Hop, non, Ah, ça va être ça. ruiné. Hop, oui, ça va être ruiné par celui qui l'a attaqué après sa victoire lors du dernier pay-per-view, Sami Zayn, qui va venir Ok. détruire un peu Coup de les ma espoirs table, de. terrible. Qui va venir un peu détruire cette célébration de Kevin Owens. Et après, donc là pour l'instant je vais faire un autre angle, du coup, et qui sera un peu plus tard dans le show, mais c'est juste pour. Hop. Et donc, Sami Zayn va derrière challenger Kevin Owens pour que le match soit officiel. Mais cette semaine-là, nous n'aurons pas la réponse de Kevin Owens qui se remet de son attaque subie dès le début du show. Ok. Ensuite, nous allons avoir un match de la championne du monde qui est restée, du coup, qui a battu Paige lors du dernier pay-per-view. Va affronter tout simplement dans un petit match d'exhibition Tegan Nox. Hop. Petit 1 contre 1 pour les deux. De base, ça lance pas de rivalité. Mais voilà, on a envie de les voir s'affronter. Elles seront là. C'est normal, le titre sera pas en jeu. Hop. Je sais même pas si on a déjà eu ce match à NXT. Je suis pas sûr non plus. Avec Tegan qui était blessé souvent. Oui. Et la plupart du temps quand elle était là, bah, Yo était face aussi, dans un sens. C'est ça. Ensuite, nous allons avoir tout de suite un match. Un match. Un petit match comme ça entre du coup. Genre Ah ouais, fin j'avoue. 2000. Ça Ouais, passe aussi, peut-être, ouais. ouais. J'avoue que par contre, d'avoir mis le chat comme ça sur la télé, c'est un de mes meilleurs moves parce que moi, je le vois vraiment, quoi. Ah bah voilà, en vrai, énorme move. En Meilleur... vrai. Un truc à réfléchir pour tes lives, hein. Ah C'est... ouais, bah c'est ce que je vais faire parce que de toute manière, tant que j'ai pas le nouveau téléphone, ça sert à rien de remettre Twitch dessus. Ça arrive Puis en bientôt. plus, là, comme ça, t'as le chat en plus gros. Oui, voilà, c'est ça. Une mauvaise idée, hein. Oui, parce qu'il faut savoir que Titi avant a mis le chat sur sa télé du coup pour une fois pour tester. Et Oui, ça a l'air de convenir. parce que mon téléphone ne charge pas quand j'ai Twitch d'allumé, même la batterie ne Titi descend. se fait son setup double écran à sa façon. C'est ça. Et J'essaye de le faire comme je peux. ça marche! Et ça marche. Ensuite, un petit combat que j'aurais aimé voir quand même lors de son passage dans le main roster. Ça n'a jamais été fait. Mais bon, voilà, un petit match entre Reigns et Killer Cross. La guillotine contre le rear neck choke. Voilà. Dans les deux cas, il y a quelqu'un qui finit étranglé. C'est ça. Et hop, je vais juste mettre la stipulation hardcore avec la victoire de Roman Reigns. Et je vais juste changer la stipulation. Hop. Tout, 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 tout.
En fait, c'est aussi pour ça moi que je fais jamais de stipu dans mes matchs. C'est que là, le trois quarts des stipus, c'est des trucs où c'est violent, où il y a du sang, donc j'ai pas le droit. Oui, bah toi, t'as Donc pas je le fais droit. pas. En Moi, fait, j'ai. j'ai genre sur toutes les stipus qu'il y a là, il y en a beaucoup, hein. Bah, Oui. genre, je veux, il y a 25% que je peux faire, quoi. Voilà. Hop. C'est con s'il y a des trucs qui me semblent pas si violents, mais que j'ai pas le droit parce que bah, c'est qualifié comme violent. Peut-être un truc à revoir quand on refera nos contrats télé, hein. C'est ça. Et ce sera l'ouverture du show. Non. Enfin, juste après le. Mais tu vas venir là, toi? Et Hop. enfin. Ensuite, hop. Un petit angle, backstage interview. Ah, mais hop. CM Punk qui va venir nous parler de son match face à Kevin Owens, qu'il a perdu, et qui va tout simplement dire qu'il a perdu parce que bah pour l'instant il n'a plus la tête à la fédération, il n'avait plus Ah, pas la attends. tête au titre. Pas le bon que t'as. Là, c'est pour hyper un match à venir. Ah merde, oui. Faudrait juste que tu mettes un truc backstage où genre il parle juste lui. Oui, mais. En vrai, cherche backstage en haut. Tu trouveras facilement. Oui. Tape backstage et tu le trouveras. Hop, attends. Tac, non. Non mais tape backstage en haut. Ou facilement en l'écrivant. Y a un truc normalement où c'est juste une interview backstage, ou c'est plus basique. Il me semble que c'est en bas, mais je suis pas sûr. Donc c'est vers le bas de la liste. Un truc où genre juste lui parle en fait. Essaye d'aller tout en bas. La promo là, voilà. Promo singles générique. Ah oui, Voilà. voilà. Là, comme ça, tu mets juste Punk Hop. qui fait une promo et au moins tu peux raconter ton histoire correctement en disant que tu parles de Owens et Oui. d'autres choses, quoi. C'est ça. C'est plus simple. Parce que si tu mets l'autre et qu'il parle d'un match à venir, ça veut dire que tu vas refaire un CM Punk Owens et Oui, c'est pas non, pas pour ce que l'instant. tu veux. Enfin, j'en sais rien, mais je pense pas que ce soit prévu. Tu Non, prépares à non, côté. non. Voilà, c'est ça. Donc il va venir expliquer que voilà, il a perdu son match parce qu'il n'a plus la tête au titre. Et surtout, plus trop la tête au catch en ce moment, et qui va tout simplement se concentrer sur autre chose pour les prochains mois. Et peut-être même faire une pause du catch. Voilà. Ah, bien vu en vrai de faire une promo comme ça pour son passage MMA là, du coup qui va durer quelques mois. C'est ça. Bonne idée. Bien. À vous. Quoi? Par moment, je peux avoir C'est finement joué, de je félicite, bravo. bonnes idées. Ensuite, on va voir un petit notre main event de la soirée. Main event of the evening. AJ Styles va affronter quelqu'un qui a son momentum au maximum en ce moment. Finn Bálor. C'est vrai qu'en ce moment, Finn, ouais, tu le book fort. Oui. D'ailleurs, on a vu un truc côté WWE entre les deux, là. Ils ont fait le signe. C'est ça. Ils ont fait le tout. Tout Ils ont fait le tout suite. flip. Et qui payait ça, Finn Balor, en cours. Savait que c'est faux. Il y en a un des deux qui va se faire virer, et puis c'est tout. Arrêtez C'est d'avoir ça. des espoirs, quoi. Pour la WWE. Je vais peut-être augmenter quand même le temps du main event parce que bon, ils sont pas là pour rien dans ce main C'est ton event. main event? Oui, Ok. ça va être Je note. le plus gros Je match. note qu'il va falloir que j'aille chercher deux photos du coup. Je crois Ça que. Je... va. Enfin, non, Finn, je crois que je l'ai, mais je. AJ, j'ai un doute. Mais Finn, je crois que Ah. j'ai déjà la photo. Ça va, j'ai pas fait un match à 10. Oui, bah non, parce que sinon je t'aurais enculé sinon. Ouais. Ils ont fait signe à AEW à enlever ce passage sur tous ses réseaux parce que Bullet Club n'est pas de leur création. Bah oui. En vrai, j'avais vu qu'ils avaient mis une photo. Enfin, je crois que c'est WWE on BT Sport qui a mis la photo par contre des deux dans le backstage en train de faire le signe. Parce que eux, techniquement, ils ont le droit. Apparemment. Ouais, c'est ça. Des fois, BT Sport, quand tu vois leur page Twitter, tu te dis, mais putain, ils ont plus de droits que la Fed elle-même. C'est bizarre quand même.
Ah mais c'est surtout que ouais, ça a été une grande guerre pendant un temps pour ce sing to suite entre la WWE et le Bullet Club, Cody Rhodes et tout ça. C'est. En même temps, le Bullet Club, c'est représenté un peu partout. Hein. C'est représenté un Oui, peu partout dans le voilà, monde. Hein. c'est C'est ça. worldwide. C'est comme... C'est comme Titus. C'est Titus Worldwide. Juste que la WWE veut pas promouvoir d'autres feds. Oui. Ah bon? Mais bon. Pendant un temps, ça a plus servi au Bullet Club que la WWE de faire cette guerre-là, quoi. C'est ça qu'ils avaient. Du coup, s'il veut pas promouvoir d'autres feds, j'imagine le jour où Sami Zayn a parlé de W en direct sur l'interview. J'imagine McMahon qui était derrière à se gorer la position en train de l'attendre avec un petit fouet, c'est genre Sami, t'es sûr de toi là? Viens là. Ah non, mais au début, c'est. Tu vois la vidéo de McMahon qui est en train de courir après quelqu'un, genre Take me to the son of a bitch. J'en Tu suis vois trop ça, mais il est en loin. train de courir après Sami Zayn. Search. J'ai envie de trouver des gens qui sont bons en technique. T'en as pas mal, hein. Voilà. Oui. Eh bah tiens. Cette fois-ci, La technique et ma masterclass. technicienne sera féminine du coup. Oh, intéressant. Exclus ce que tu as déjà booké, ce sera plus simple, parce que je vois qu'il y a encore Yo dans la liste. Oh bah tiens, allez, hop. Contre Thunder Rosa, ce sera pas pour le titre. Mais peut-être que ça développera une rivalité pour un Voilà, match pour le c'est titre ça. plus tard. Clin d'œil fort, clin d'œil fort. On va tenter de donner la victoire à Ikarushida. Il faut que les champions restent forts, bien entendu. Non, je Ça va, rigole, je elle a rigole. gagné lors du Je pay-per-view. rigole, hein, fais ce que tu veux. Hop. Ensuite, on va avoir un autre angle, celui de Yoshirai après son match. Donc. Tac. On va célébrer et dire que de toute manière, maintenant qu'elle a battu Paige et qu'avant qu'elle a battu plusieurs fois Kairi Ojo et tout ça, elle n'a plus aucune compétition dans cette division féminine et que c'est la seule à être vraiment au-dessus du lot. C'est pour ça qu'elle est championne et c'est pour ça qu'elle va le rester encore très longtemps. On verra. Clin d'œil. Il est long ce running gag qu'il a fait. Un peu, un tout petit peu, quoi. Clin d'œil. Clin d'œil, clin d'œil. Alors maintenant, j'ai plus besoin des gabons techniques. Merci, reset, search. J'ai quand même envie de donner un peu de temps d'antenne à Adam Cole parce que ça fait quelque temps qu'il est plus trop booké vu qu'il est plus champion. Hop, plus champion, poubelle. Tu m'intéresses plus. Il Plus culte. va avoir un très très gros match face à Nakamura. Et je crois que depuis que tu les as mis en équipe, c'est la première fois qu'on les voit séparés, Reigns et Nakamura. C'est ça. Pour deux matchs distincts. Hop, on va avoir la promo de Punk là. Il me reste encore 4 minutes pour rajouter un petit angle quelque part. Rajouter un match. Parce que on est là pour le Attends, catch. est-ce que tu as regardé tes pourcentages en haut? Parce que si tu Oui, rajoutes oui. un match, tu passes pas au-dessus de la limite. Non, ça va, en vrai, 82, Je t'as pense un peu de pas. marge. Je pense pas. T'as un peu de marge et pas trop d'homère. J'ai eu le délai quand t'as fermé les yeux, ça part sec. J'en peux plus de toi. Pourquoi ils m'ont foutu avec lui? Vivement que tout ça change. Bah merci papy, super.
Tu te prends. Bon, en même temps, tu mérites. En même temps, je le dis assez souvent, ils ont le droit. C'est le droit de vous venger à un moment. On va tenter de donner un peu de momentum à Sami Zayn qui va battre directement le champion spécialiste. Les champs tombés qui sont quand même la WWE, ça reste fort. Ça va, c'est pour un match. Urgh. Je sais pas si ça va passer en vrai. Oui, bon, là j'ai 3 minutes de trop, du coup. Oui. Donc on va retirer une promo. Non. Parce qu'on est là pour le Non, catch. non. Karushida Thunder Rosa, on va juste enlever 3 minutes. Hop. Voilà. Tac. Mon show est prêt. Snay. Attends, t'avais pas dit que Shida Thunder Rosa, ça devait être ton Technical Masterclass? Si. Bien sûr. Bah, celle de. Je l'ai pas mis en. Ah mince. Bien ce qu'il me semblait. Et le jeu t'a rien dit. Le jeu t'a pas dit genre il te Oui. manque un truc. Bizarre. Tu es sûr que tu l'as pas foutu ailleurs ta technical? Genre sur le Non, premier match par exemple. non, non, c'est sûr que je l'ai pas Non, t'as mis. mis Là, j'ai mis storytelling. Adam Cole Nakamura, j'ai mis quoi? Madame. Rien. Yoshirai Tegan Nox, j'ai rien mis. Kisly Sami Zayn. Rien mis. J'ai mis ces deux shows. Oui. Ah, Shida a dû d'ailleurs, c'est. commencer. Et Roman Reigns Killer Cross. J'ai mis. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est pour Bah ça, ouais, oui. t'avais déjà tes trois trucs en Oui. fait. Bon, c'est pas grave. Oui, bah c'est pas grave. Il y en aura quatre. Voilà, on voit là, au bout ici. Et d'ailleurs. Tac. Voilà. Ça, au moins, ça fera une petite pause. Hop. C'est parti pour le Petit show part. avec très bon opener. J'aime beaucoup. Oui. Et Roman Reigns qui bénéficie toujours de sa forme Oui, de sa forme, splendide. sa grande forme. C'est ça. Ok. Très bon match entre les deux. Des Oui. bonnes perfs. Thunder Rosa qui a fait qu'à une meilleure perf. Oui. Pas de Enfin, beaucoup. c'est ça. Ensuite, ok, bon angle. Oui. Et Kevin Owens qui est bon sans script. Ok, bon, ça c'est bien. Ça, t'as déjà fait, donc... Enfin, techniquement, ça va être dans le pré-booking, mais je crois qu'il l'a déjà mis dans ton pré-booking. Non, je ne l'ai pas encore mis. Ah, bah, c'est le moment. Oui, Enfin, ouais, tu bon. le mettras après. Oui. Il y a la promo pour ça. Hop, c'est Ah! ça. Très bien. Ok. Perf à... Deux perfs à 66. On va mettre quoi comme note? 73. C'est ça. Oh, de perf équivalente, bon match entre les deux, ok. La foule est en buzz. Oui. Est en buzz l'éclair. Ah, d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu le trailer du dessin animé là, qui va sortir sur Buzz l'éclair, il a l'air beaucoup trop bien. Visuellement, il a l'air incroyable. Hop. Sami Zayn. Kevin Owens. J'ai vu quelqu'un qui avait une théorie d'un truc qui serait trop sympa pour ça. C'est qu'à Non, la alors fin, c'est raconte-moi que vite toi. à la fin des aventures, tu vois, de ce film Buzz l'éclair là, tu vois le jeune, tu sais, Andy là, le tu sais, l'enfant de Toy Story. Ouais. En train de regarder justement les aventures de Buzz, et c'est ça qui lui Ouais. donne envie. Et genre à la sortie du cinéma, tu vois que dans quelques jours il y a un film sur Woody qui va sortir. Et genre ils font un film plus tard sur Woody. Ce serait Quelle tellement une bonne cancel idée. culture frappe cet homme. Hein? Quoi? Je sais pas pourquoi il met ça, lui. Ah je sais, parce qu'il y a eu une polémique parce que il y a un bisou gay dans le film, c'est pas bien. Ah. C'est des, enfin la cancel culture quoi. Ah bah yes. Quel plaisir. Les côtés sombres. Ok, très très bon match entre les deux. Nice. Yoshirai qui carry le Ah match, oui, bien. littéralement. Et deux matchs à 73, hein. Oui. Pas mal. Ok, bon. Ah, ça s'est passé de choses intéressantes. Oui, ça je m'y attendais un peu. Ça arrive. Ok. Bien. Très bon match entre Adam Cole et Nakamura un peu en Nakamura. dessous, hein. Oui. Adam Cole qui reprend un On l'a poste jamais de. vu celui-là à NXT, parce que Nakamura était déjà parti quand Cole est arrivé, je crois. Oui, je crois, oui. Ça aurait été beau. Ok. Oui, bon bah... Bon, bah, Bung, quoi. comme d'habitude. Non, je Non, prends la juste blague de pour merde sur Bobby. Bung. Ah. D'accord.
Et Finn Balor qui bat AJ Styles dans un match à 73. Et la note du show est à 73. Ça me ferait rire, hein, par contre. Ça va me faire beaucoup rire, Je c'est pense, bien. Hein. 74. Ah, c'est l'angle, c'est l'angle de Punk qui troll. Hein. C'est ça. Bon, bah, en vrai, je crois que tu l'as le nom de ta VOD. Hein. 73. De ouf. Bon, du coup, attends, on va cut là. Hein. Oui. On va cut sur ton truc de fin. Du coup, Du coup, YouTube. YouTube, Au on vous fait revoir. des bisous. Voilà, c'était le show du Titi. On espère que ça vous Le a plu. clap. Le Le clap de fin. le clap de fame. Et puis voilà. Vous nous retrouverez bientôt du coup sur la chaîne de la Corp pour mon show à C'est moi. ça. En attendant, on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt. Bonne semaine à Au vous. revoir. Au revoir. Et au revoir. Au revoir. Voilà.